Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui s'adresse aux moyennes sections. Nous allons travailler l'écriture des chiffres. Alors, cette vidéo va être très courte, c'est juste pour vous montrer comment bien tracer les chiffres parce que trop d'enfants écrivent de la mauvaise manière les chiffres. Et donc, il faut être très vigilant quand ils commencent tout juste à apprendre l'écriture. Alors, pour écrire le chiffre 1. Comme sur la fiche que je vous ai donnée, il y a des petits points. Pour le 1, on va commencer avec le point le plus à gauche. Ensuite, nous allons faire un trait oblique qui monte, puis un trait vertical qui descend de haut jusqu'en bas. Je recommence, je fais un trait oblique qui monte, puis un trait vertical descend. Effectivement, le 1 ne s'écrit pas en commençant par un trait vertical et ensuite en faisant un trait oblique. Ça, ce n'est pas un 1. Le 1, ça devrait être plutôt facile. Ensuite, le 2. Alors, le 2, on commence en haut. D'ailleurs, pour tous les chiffres, on commence en haut. Alors, on commence ici, sur le point le plus haut. On va faire un rond dans le sens des aiguilles du montre. Comme ceci. Ensuite, un trait oblique qui descend. Comme cela. Et ensuite, un trait horizontal. Je recommence. Oblique, un trait horizontal. Encore une fois, un demi-cercle, un trait oblique, un trait horizontal. À toi d'essayer! Enfin, pour finir, le 3. Le 3. Un demi-cercle. Et là, je reviens un peu sur le trait que je viens de faire. Puis je refais un deuxième demi-cercle. Je commence en haut. Je fais un demi-cercle. Puis je m'arrête. Je reviens un peu sur mon trait que je viens de faire. Puis je fais un autre demi-cercle. Effectivement, s'écrit comme ça, il faut bien faire attention de revenir sur le trait que l'on a fait au départ, d'accord? Parce que sinon, ça peut donner ça, d'accord? Et ça, c'est pas un 3. Un 3, c'est bien un demi-cercle. Je reviens un peu sur le trait que je viens de faire et je refais un deuxième demi-cercle. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Bonne journée!